Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avec un pile plaisir, VOA Creole a entré la caillou dans un moment spécial, dans une occasion spéciale parce que c'est 4 juillet, c'est indépendance les États-Unis, 248e anniversaire indépendance les États-Unis. Et fidèle à la tradition VOA Creole, eh bien, je dis, nous venons présenter un programme spécial parce que tout simplement c'est une date spéciale dans l'histoire les États-Unis. Nous souhaitons nous toutes bienvenue. Merci d'être que nous été branchés alors que nous allons présenter au programme spécial ça et nous en plein cœur de Washington DC avec toute température, avec tout soleil là, tout que nous-mêmes nous capables. Ouais, c'est un jour spécial. 4 juillet, c'est vrai, c'est une date historique dans la vie des États-Unis, mais il y a une histoire des dates historiques ça parce que c'est une date qui passe devant le Parlement, qui fait le tour des États-Unis avant que le vin tourne salier jodia. Yon date côté que en pile monde famille réunie feu d'artifice compétition et sportive et autres mais nous pral garder ça derrière 4 juillet ça dans moment que n'a présenté au programme spécial ça c'est peut-être jour côté américain yo montrer sentiment patriotique yo plus passer tout l'autre jour dans année jour 4 juillet fête indépendance les États-Unis rappeler décision 13 premiers colonies ont pris pour yo sortir en bas l'obédience la Grande-Bretagne et puis fonder les États-Unis. Cependant, c'est pas le 4 juillet où tu prends décision. En réalité, c'est dans la date 2 juillet 1776, représentant colonie ont voté pour indépendance là. 2 jours après ça, ils ont approuvé déclaration indépendance là, un document qui t'est venu expliquer vote là. D'après ça, en pile monde t'est quoi, parmi eux t'est gain président John Adams, pays a t'est dû célébrer fête là le 2 juillet qui c'est anniversaire vote là. Cependant, copie déclaration moi c'est qu'un temps circulé tellement pile côté, 4 juillet était tourné jour célébration anniversaire. Célébration fête indépendance là, dans le temps moderne, gain la donne parade, discours politique, avec feu d'artifice. Ville Boston, qui trouve école dans l'État Massachusetts là, y a une ville qui est aussi nommée The Birthplace of America. Ce qui veut dire, c'est là, America te prend naissance. Ville Boston, a joué un rôle important dans l'indépendance des États-Unis, que ce soit au niveau économique et au niveau politique. C'est peut-être ça. Chaque année, toujours un gros remblai musical dans la ville Boston pour fêter et célébrer l'indépendance pays États-Unis. Dans défaité par l'histoire pays américain, et la guerre révolution a commencé en avril 1775, ville Boston a une importance capitale sur le plan militaire pour Anglais et pour les gens qui ont été mouvement a commencé dans la ville Boston avant l'indépendance américaine, c'est mouvement Tipardia, qui était en protestation politique, qui était démarré dans la date 16 décembre 1773 à cause de taxes anglais qui ont imposé. Le mouvement a été démarré sur Boston, journée jeudi à Boston à bord, et c'est un lieu touristique et historique qui visitait en pile dans la ville Boston. Journée jeudi à diversité qui gagne dans la ville Boston à cause de plusieurs groupes immigrants qui sortent tout partout qui vivent dans la ville Boston, créer une ambiance colorée dans le jour 4 juillet pour fêter l'indépendance pays États-Unis. La communauté haïtienne dans la ville Boston, c'est le deuxième plus gros groupe immigrant qui vivent dans la ville là. VOA Creole, tu parles à quelques compatriotes haïtiens depuis plus de 20 ans qui vivent dans la ville là. Docteur Legrand, Marc à Cronel Tart, te dit nous comment comprendre le jour fête indépendance pays américain et comment y a fêté le jour ça. Bon, il y a des choses qui gagnent parce que et quand on est à Rome, on fait ce qu'on les Romains font. Bon, nous connaissons que 4 juillet lui-même, c'est une petite grosse fête aux États-Unis. L'indépendance et aux États-Unis, regarde, tout le monde a fêté, Coucaout, tout côté, belle bagaille, regarde, nous-mêmes qui sommes haïtiens américains, regarde, nous sommes comme si nous avons fêté avec tout américain, parce que nous avons payé longtemps, regarde, nous sommes censés vivre avec eux. Et premièrement, fier en tant qu'haïtien, et les noms gros villes qui ont fait ton fête, et parce que je fais partie de faire ça, et puis je viens comprendre plus ça fait que ça représente pour nous. Et je suis très fier tout parce que c'est indépendance. Célébration indépendance des États-Unis est toujours gros causé dans la ville Boston, Massachusetts, une ville historique qui attire un pile de touristes.
Et c'est un jeune garçon qui était assisté au conseil. Il est monté sur le podium, là, fait ménage à surprise et demandé pour lui marier avec elle. Je dis à moi demander pour le marier avec moi. Moi balion surprise. Moi t'ai planifié ça. Heureusement, mi sauté ban mon petit temps pour me capable bander le mariage. Moi vraiment content que opportunité pour me faire ça. Et puis, me très reconnaissant pour jour ça. C'était un bel cadeau. Jeunes, yo même yo prend plaisir, yo participer dans compétition sportive, yo joué football, yo font paquet plein de bagages et puis gen moun ki tou ke camarades de classe yo réuni et qu'on y a nous pral rejoindre Jared Williams. Jared Williams c'est un stagiaire dans VOA Creole et lui même il pral di nous qui gens que jeunes yo même y amuse yo, qui ça yo fait, qui ça yo manger et yo manger en pile vrai et gen là tout yo prend un petit boisson tout. Nous pral rejoindre Jared Williams qui a dit nous plus. Merci Jacqueline. Même qui j'aime américain, je célèbre 4 juillet qui s'est fait Independence et tout. Jour d'indépendance que vous connaissez sous nom 4 July qui veut dire 4 juillet aux États-Unis, c'est une fête nationale américaine. Fête si la célébré jour côté représentant 13 colonies dans la partie Amérique britannique là. Ils étaient rassemblés pour former un deuxième congrès continental dans Philadelphia, dans l'État de Pennsylvanie, pour être capable d'adopter la déclaration d'indépendance pays. Le juillet, c'est un jour qui est historique qui bat en vie qu'on histoire peuple américain. Dans le passé, ils ont célébré fait ça dans plusieurs façons. Tant que ils ont lu déclaration d'indépendance là dans un espace public et lancé feu d'artifice. Mais parmi les habitudes ça, yo, pété feu d'artifice là toujours été populaire. Kounia, majorité célébration fête 4 juillet qui fête dans pays a gen la donne parade. Viande k'ap boukone, l'autre manger k'ap cuit, concert public ak chanté patriotique. Parmi gros célébrations, c'est gros parade Macy's qui toujours organisé dans New York. Bob Fest dans Boston, Wawa Welcome America Festival dans ville Philadelphia, avec deux Capitol 4 Celebration dans National Ball qui trouvé dans Washington DC. VOA Creole démarche avec Nicole dans Washington DC pour connaître comment les jeunes Américains yo planifient pour fêter cette indépendance là. Plan moins pour qu'à dire à Nessa, c'est passer temps avec frère moins et puis papa pendant la journée. Y a voyagé sorti Arizona pour venir Washington. Dans la nuit, m'a bien passé avec base moins, amis université. Nous pral garder feu d'artifice et peut-être sorti à amuser nous après. Anessa m'a intention passer li ak zanmi et famille. Moi pral sorti al gade feu d'artifice la nuit et puis oui, m'a essayé amuser. C'est une belle fête nationale. My plans for 4th of July. Plan moi pour 4 juillet, c'est barbecue. Papa m'a pral gérer viande. Al gade feu d'artifice. Bien passé. Peut-être gade yon film. Moi gagne un ménage. Donc, li pral probablement passer la caille moins et puis manger avec nous et puis m'a valga des feux d'artifice avec elle. J'ai déjà été partager avec nous quelques nan pi bon souvenir de 4 juillet yo. J'ai noté qu'on toujours à la Caymans Virginia côté moi gain en pile famille. Nous te qu'on limer feux d'artifice en bas et puis organiser barbecue et puis bien passé. Ça gain 2 ans. Te gen yon coquin chen fèt nan yon gros chantier. Vibe la te cool à mort. Nous te gen ti feu d'artifice nou ak lot ti bagay. Nous te lancé yo a teya et puis yo sauté. Et puis te gen moun ki t'ap grillé viande. Te gen yon paquet moun. Zami mwen pa twè depuis longtemps. Donc
Oui, m'espérer qu'adjie année ça a consa tout. Fond memory that I have. Le meilleur souvenir moi gagné de qu'adjie, c'est les maman. T'es mené moi San Diego, Californie pour aller visiter quelques anciens amis et puis nous t'es conduit à une espèce de tête monde avec amis famille nous et puis garder feu d'artifice là. Et moi t'es conchita avec maman moi et puis amuser my mom and have a good time. Bien entendu, manger joue un rôle central dans célébration fête américain ça. My favorite food to eat during 4th of July or are manger moi pire aimer pour 4 juillet c'est hamburger, hot dog, saucisse italien, pois blanc, salade, spaghetti ak pommes frites, pasta salad, french fry. I had to say faut moi dit moi adore burgers. Moi aimé manger burgers pour 4 juillet et parfois hot dog. Moi aimé pois blanc tout. Et puis si gagne macaroni au gratin, eh bien oui, moi pral manger la dedans. Get myself some mac and cheese. Some my favorite 4th of July. Bien sûr, cheeseburger. Moi aimé hot dog qui fait avec viande bœuf. C'est-à-dire c'est un manger principal nous manger pour 4 juillet et puis peut-être zelboul. Maybe some chicken wings. Fête 4 juillet fait partie de sa nouvelle de American Dreams. VOA Creole souhaite vous Happy 4th July. C'était un reportage Jared Williams pour VOA Creole. And happy 4th of July. Following my report will be Sandra Lemay. Chef là. Thanks Jared. Merci Jared. Nous connaissons que pour fête 4 juillet ici aux États-Unis, tout côté au marché, c'est drapeau américain. Ouais. Mais est-ce que vous connaissez l'histoire de drapeau? Est-ce que vous connaissez qui côté vous avez fêté fête drapeau en premier? C'est ça que vous pouvez raconter nous. Depuis plusieurs siècles, drapeau états-unien représentait l'esprit américain dans le niveau plus haut et plus bas. Sorti depuis le moment triomphant, il a été levé drapeau à sous Iwo Jima dans la Deuxième Guerre mondiale là, pour arriver dans le moment sombre. Côté été levé dans Ground Zero après attaque terroriste en septembre dans New York. Mais drapeau que Américain baïti non jouet Old Glory, ça veut dire Ancien Gloire, c'était pour tout mi-temps une fête annuelle dans la ville Wabeka, État Wisconsin, jour fête drapeau. C'est 14 juin qui marquait jour dans l'année 1777 que Congrès a décrété premier dessin drapeau. A. David Janik, c'est président Fondation nationale fête drapeau. In 1777, on June 14th, Le 14 juillet 1777, le Congrès continental États-Unis a dit officiellement ça, c'est drapeau les États-Unis. Il peut y avoir 13 bas qui alternent en rouge et blanc à 13 étoiles sur le fond bleu. Wabeka, c'est une banlieue au nord de Milwaukee. Elle est déclarée, c'est lui-même qui a fêté fête drapeau avant toute l'autre ville. Ça a été fait en 1885, le professeur de l'école a demandé à l'élève de écrire une composition sous signification drapeau. La fête drapeau est tournée en fête nationale en 1949 et Wabeka a célébré le deuxième dimanche mois de juin pendant 78 ans. There are 27 configurations that are officially the il dit qu'il y a 27 configurations qui font partie du drapeau états-unien officiellement. Et configurations, ça a varié en 13 colonies originales. Pour arriver dans 50 étoiles qui sous drapeau à Kounia. Leonardo Frank, 13 ans, c'est moun Milwaukee. What the flag means to me is that it means our freedom and our country. Il dit drapeau a signifié pour moi liberté, pays nous, et que j'en sais une bénédiction pour nous vivre ici. Sarah Woodkey, lui-même, 34 ans, habite dans la ville Lima, avec Marie, qui est un vétéran de l'armée États-Unis. We're here today because my husband is a military veteran. Li di nou ici jodi a parce que mari moi c'est un vétéran militaire et nous connaissons important pour apprendre ti moun yo histoire drapeau a ak peyi nou. N'a soti nan Southwest États-Unis nan état Wisconsin pour nous tourner et voyer kon nan bay JB Jacqueline Belizer. Ou toujours sou VOA Creole ou ap suivi un programme spécial nan occasion 4 juillet qui c'est anniversaire indépendance les États-Unis. Nous dans Washington DC, capitale fédérale pays, c'est pas la République de Washington parce que dans pile l'autre côté, ou pouvoir un paquet activité cap marqué et journée ça cap marqué date spéciale ça. C'est sûr que dans Washington, il y a parade, il y a feu d'artifice, ou tant les feux d'artifice tout côté en pile monde sorti l'autre côté
pour yon vin dans Washington DC pour yon vin faire touriste, mais gagne tout l'autre côté. Par exemple, dans New York, il y a pile activité tout que moun capable dans New York, et New York gagne façon spéciale pour li capable jouer 4 juillet. Et nous allons rejoindre Valerio Saint-Louis qui va dire nous qui genre New York City a vive 4 juillet, qui genre Big Apple là l'a joué 4 juillet ça. Valerio Saint-Louis, dis-nous plus non. Effectivement, Jacqueline, New York, c'est un état ici aux États-Unis, côté que fête célébration indépendance pays a son bagage extraordinaire. Jeudi à ce 4 juillet, donc tout à l'heure comme ça, nous parlons un bel spectacle feu d'artifice dans le ciel New York là. En pile monde mettait drapeau yo dehors devant la caillou dans machine yo, et ben c'est une démonstration de couleur drapeau américain. Dans la communauté haïtienne elle-même, haïtien américain yo qui ici aux États-Unis dans la cour New York, yo célébrer façon pa yo. Évidemment, grand pile barbecue, rencontre avec la famille, pique-nique, monde qui a rencontré, famille qui a rencontré, puis célébrer. VOA Creole, tu as rencontré avec Philippe Dumont, qui lui-même, avant fête là, je dis assez fête là, c'est vrai, mais bien avant fête là, il était préparé quelques semaines de ça pour jeudi à qui sont jours spécial pour lui. 4 juillet, c'est jour PAM pour me fêter. On connaît 4 juillet, c'est fête du drapeau boy ici. Nous avons choisi jour ça pour me fêter, inviter tous les amis. Toute famille, et puis pour nous enjoy nous. Ça cap vient avec bikini, y a vin ben en piscine, y a mangé maï boucané, zaboka, en pile viande. Est-ce que vous comprenez? N'a pas dansé, fois ça a bien dansé, a bien en salle pour danser. On tente pour tout le monde danser parce que je veux tout le monde sorti bel et bien, qu'est content. C'est la barbecue à fête, c'est entré. Ça c'est, n'a fait bar là, et puis tout le monde n'a boué. Vous comprenez? Il te met de l'eau, il te met associé, il te met prestige, Rémi Martin, n'a boué. M'a gagné tout, m'a le mettre ballon, m'a le mettre drapeau américain, drapeau haïtien en l'air là, en ma drapeau là, en pile décoration, en pile son, en pile manger, en pile monde. Ouais, joue ça. Dans travail moi me prend vacances pour lui spécialement. Ça est ba me sont acheté dans Costco pour fête là. Bagaille moi quand en prêt, tout bagaille moi quand en prêt. Faisais me charger même j'aime moins mes drapeaux maintenant et moins faire pour drapeau américain parce que c'est là ma vie c'est là m'acheter caille c'est là et la manger là toute bagaille moins fait me supposer remettre drapeau américain tout n'a cherche un côté pour nous vivre et puis et pas pays non et pas changer non pas changer pays non non en culture toujours dans nous mêmes on pas qu'à faire la caille moins me faire en dehors de moi bon avant il y a deux monde qui passer là deux Baden qui était plus haut là quand moi là il a passé là puis m'ta dit pas là ici me si c'est bon ici arrêté ici moi pas ici à m'arrêter me dit 4 juillet m'attend là c'est haïtien lié c'est haïtien lié il y a venu l'invité a gagne macaroni au gratin a gagne diri en diri noir a gagne en poule du barbecue a chargé bail on comprend gagne manger gagne boisson n'a boire. Alors que les Kounia là, je dis à ces 4 juillet, fête là déjà commencé, Kay Philippe Dumont. C'est comme ça nous allons regarder ensemble avec Gentil Junior Augustin, qui Jean et qui l'autre côté que communauté haïtienne ou bien haïtien qui vivent ici aux États-Unis, qui Jean ont célébré fête drapeau américain. Gentil. Merci Valerio. Comme vous êtes mené nous, côté Mounio a préparé barbecue 4 juillet, moi-même, je vais mener nous, yon l'autre côté. Je vais mener nous à l'ouest, Mounio, Moun New York, qui n'est ni manger yon bagaille, les hot dog. Mais, son compétition va mener nous à regarder. Et principal champion compétition ça les papes là à Nea. Vous t'en rendez compte pour qui ça? On va regarder avec vous pour ça. Chaque 4 juillet, jour célébration indépendance américaine yo, yon gros concours manger hot dog toujours organisé pour rendre fanatique viande transformer ça, tourner yon icône important dans ville New York et spécialement dans Coney Island. Joy Chestnut qui c'est principal champion concours ça pas présent pour année 2024 là à cause contrat li gagnen ak yon mark hot dogs végétarien qui c'est rival restaurant Nathan quelques fanatiques concours ça bay opinion yo sou absence Joe nan concours I think it is superb that moi pense que li bon que li changer pense li et moi espéré yon groupe moun suiv exemple li et puis nous pral suspend manger bête yo. Année passée ya, Chestnut te manger 62 hot dogs ak pen 10 minutes. Yon fanatique Joy Chestnut pat ka digérer absence li.
Sans Joey Chestnut, pas gen konkou hot dog natan. Lot moun yo, se yon paquet bluffé. Tourne, Joey, tourne. Joey Chestnut di, li pral participe pito nan yon konkou Texas 4 GX. Men George Shi, ki se mab Major League Eating, te di ya pale ak Chestnut, pour le retourner dans la compétition. Nous dans conversation avec elle. Moi crois tout le monde espérer résoudre problème ça. Nous pas connait si nous capable ou pas. Mais tout le monde espérer qu'elle li ka fait. Si ça pas possible et puis Joy pas là ou réellement pral gen premier événement l'ouvrir dans plusieurs années. Yon visiteur qui sorti dans état Floride, pensé organisateur yo te ka fait yon lot concours. Au lieu qu'on coupe manger hot dogs là. L'état caille on qu'on coupe manger pomme. Moi pensais que l'état cool. L'état gain plaisir si on te fait li dans Times Square ou soit n'importe l'autre côté. T'es gain temps coup, on qu'on coupe manger pomme et puis nous te relé li Big Apple. Même organisateur concours ça, t'es dit yo te prend initiative organiser l'autre concours mais yo pas jamais fait succès. There have been lots of conversations. T'es gain pile discussion sous ça nous ta doué faire. Si nous ta doué gain une compétition manger poids, une compétition végétarien, une compétition manger fruits ou soit yon l'autre bagaille. Yo pas jamais gain succès pour raison qui simple que compétition hot dogs là, c'est compétition hot dogs. Plusieurs centaines de monde toujours présents dans la compétition annuelle Major League Hitting. Bien que l'autre monde qui fait exprès qu'un peu distancio. Joe Chestnut, champion incontestable, te dominé concours ça pour plus passer 16 l'année. Jou férié aux États-Unis, c'est jou en pile moun voyager pour al faire vacances ak famille yo ou soit al wè zanmi, famille et la trier. Ça qui kon la cause a yo po yo bloqué ak quantité voyager yo qui vin augmenter. L'INSEE te di vol la te plein, mais famille li te rivé en sécurité pour passer quelques jours nan Port Saint-Lucie qui donc li pat plein yen. Vol la te bien bonné. Moi pas de penser li t'a pral très occupé mais li t'est vinn très occupé moi deviné parce que c'est jour férié yo jour en 24 juillet yon l'autre côté avion yo espéré que résultat pral bon pour plusieurs millions l'autre passager k'ap pran vol jour férié yo nan jour k'ap vini yo nous t'ai fait l'autre plan et puis nous t'ai vle vini yon jour avant vacances là. Assurer que nous te gen bon gens assurance et puis yon titan en plus si nous ta besoin prolonger vacances nous voyage pendant jour férié yo son voyage qui mandé en pile l'argent pour dépenser mais malgré ça ça pas empêché moun yo voyager pour al passer titan ak famille yo ou bien al défouler yo après en pile temps ap travail ou bien étudier sans prendre souffle. I'm cautious in general about spending, but généralement moins prudent sous dépenses yo. Mais parce que moi l'école kounye ya et puis moi connais moi gen toute la vie professionnelle moi devant moi, moi ap essayer voyager plus et puis utiliser temps libre moi pendant moi capable. Et puis moi penser que en pile moun penser ça dans saison été ya. Américain yo pas quitter problème l'argent. Empêcher yo voyager ak juif et d'artifice pendant y ap célébrer indépendance nation an ak parade barbecue ak belle couleur sous ciel là nan aswe. AAA prévoit que 70.9 millions moun pral voyager pour pipiti 80 km sorti la kayo sou yon période 9 jours qui te commencé depuis 27 juin. Yon augmentation 5% nan période qui comparable aux alentours 4 juillet année passée.
travailleurs fédéraux espéraient que le voyage aérien diminuait alors que la date 4 juillet, un jeudi, dans un fin week-end, jour férié qui a 4 jours au soir plus. Administration sécurité transportation espérait que agent Lio checke plus passer 3 millions voyageurs dans aéroport américain yo dimanche. Ça t'a dépassé 2.99 millions voyageurs 23 juin. American Airlines t'a déclaré dimanche c'est jour qui pi occupé tout été ya. Li planifié plus passer 6500 vols. TSA t'es créé après attaque terroriste dans date 11 septembre 2001 et puis remplacé une bonne compagnie sécurité privée que compagnie avion yoté engagé 8 dans 10 jours qui pi occupé dans histoire TSA fait année ça à quantité voyageurs qui t'est dépassé niveau avant pandémie COVID-19 là. Chef agence là David Pekoske t'a dit mercredi que TSA gen assez agent pour occuper full moon yo espérer weekend ça ak pendant tout été ya. Je nous sont gardé là moun yo t'a bien enjoy hot dog yo. Compétition an, son compétition qui fait chaque année. J'aime de tout là. On moun manger 62 hot dog dans 10 minutes, c'est pas bagaille qui facile. Jacqueline, je nous sont gardé là, m'pa konn si année k'ap vini n'a pou nan compétition pour mettre le record. Mesdames, messieurs, c'est avec dernier reportage ça que nous avons mis fin dans le programme spécial ça. Définitivement, nous habitués avec VO à Creole parce que ça rentre dans la culture nous. Et à chaque fois qu'il y a un moment spécial, une date spéciale, dans le 4 juillet, nous présentons un programme spécial. Effectivement, le programme est spécial parce que 4 juillet, c'est 248e anniversaire indépendance les États-Unis et nous sommes capables à travers le reportage. Eh ben, gen feu d'artifice, gen réunion familiale, gen compétition sportive. Donc, yon programme pour te faire plaisir ou même qui c'est auditeur, téléspectateur spécial, non. Donc, nous disons merci d'être qu'on t'a branché jusqu'à moment ça et nous voulons remercier tout collaborateur, nous, qui t'a participé dans la réalisation programme ça. Et puis, support technique, c'est Jean-Marc Hervé Abela. Moi-même, c'est Jacqueline Bélizère. Yon production VO à Créole, La Voix de l'Amérique. Donc, à la prochaine pour un autre programme spécial. Aïe, mais et ville en ville et quartier en quartier. Et c'est ça qu'on dit. Et je me rappelé avec chaque grain d'amis qui attendait. Li revient avec la police nationale d'Haïti et l'armée d'Haïti. C'est eux-mêmes qui pour prendre contrôle sécurité paysan et mission multinationale soutien sécurité à Haïtien. Y a là un support avec force légale paysan. Les pas question c'est l'armée et c'est mission pour prendre contrôle paysan. C'est pas eux-mêmes qui vont établir sécurité dans le paysan. Mais c'est deux forces légales yo qui permettent que y arrive établir sécurité dans le pays d'Haïti. Laissez-moi dire que, à travers l'image qui a circulé, encore, officier kenyan, yo, moun capable de garder, yo, qui sorti de local DG la police, non, rive zone Kafourita, accompagné de policiers, différentes unités, messieurs fait patrouille, et y a gardé comment que, yo ka rassuré, moun ka passé dans zone sa yo, capable de circuler et capable de passer sans aucun problème. Bon, là encore, il y a mon qui a posé question. Est-ce que monsieur c'est patrouille ou vient faire ou dis-moi est-ce que c'est opération vient mener avec la police nationale d'Haïti ou dis-moi avec l'armée d'Haïti? Bon, qu'on ne va connait, on va regarder ça. En même temps tout des Ivennes, n'apprendre que gagner ambassadeur américain en Haïti. Hein. Monsieur Dennis Hankins, monsieur qui visitait base monsieur l'armée yo, alors monsieur dame l'armée d'Haïti yo qui trouvait dans tout 2004 sous champ de masse. Je n'ai quitté mercredi 3 juillet 2024 là. Messieurs et ambassadeurs américains Hankins accompagné avec deux ou quatre dans l'ambassade américaine, ils ont visité et base FADH là dans tout 2004. En pile débat fait, en pile question posée. Qui ça on visite pareil? Est-ce que visite ça rentrer dans l'objectif ou dit que cette fois-ci les États-Unis t'as d'accord que yo reconnaît embryon l'armée ou dis-moi ce que yo voulait que bay embryon l'armée a matériel et moyen pour qu'elle capable et ben aider la police nan, et aider mission dans bataille contre question insécurité que nous pas connaît. On va regarder ça en détail des Ivennes. Désir mon frère,
Mon cher, est-ce qu'on connaît bien gros parler entre conseil présidentiel et PM Gaïkoni? Est-ce qu'on connaît bien gros bouche l'ouvri? Dans la visite ça que Koni fait là pour quitter Haïti pour entrer aux États-Unis, eh bien, ça mettait gros balan pilule là. Nous allons regarder ça, désir, mais avant désir, avant que je recevoir mon frère, moi je voulais dire que dans l'émission 4 pour vérité matin, moi je voulais dire bonne fête avec vous-même. Émission 4 pour vérité matin, et mon cap garder émission ça matin, pendant toute journée jeudi, qui c'est 4 juillet, jusqu'à minuit, lycée un jour très spécial pour désir Venesse, collaborateur Cavalier Paul Camouin, monsieur cap fêté un nouveau printemps. Et laissez-moi dire avec désir, 70 ans par 70, là, par 70 jours. Désir, t'as gardé déjà mis à jour là pour qu'il 70 ans. Mon cher, maman, tu t'as sorti si dans mon terrain. Ah oui, ah oui, nous t'as fait quelques jours. Malgré stress, nous t'as fait quelques jours. Et oui, je dis alors jeudi 4 juillet, c'est fête désir Venesse. Et c'est un gros garçon. L'aime dit gros garçon. Je j'ai gagné. En plus, mon qui compte garder et petit comique Kirikou. Et nous, on était Kirikou, mais son gros garçon et qui va en pile. Désir Venesse, c'est un gros garçon. Nous pas regarder l'aspect physique là. Mais c'est ça que lui-même, lui, il a comme directive. Parce que vraiment, et celle pas jamais vanté tête, il dit ça, mais celle parler. Parce que l'homme était là, il fait tomber pété, parce que puis m'a passé Pépette Marie. Et donc, m'a dit Désir, mon cher, mon frère, m'a capable de toute émission. Hein. Pour que moi t'a parler de personnages que ce qui en face nous là qui m'a regardé là mais et pourquoi on est fan de servir moun yo même le dit à chaque grain de monde qui peut être gagné au désir Venesse en Haïti ou à l'étranger ou dis-moi ce que et qui parle écrit en bas commentaire émission ça dans journée ça qui sont journée spéciale pour désir Venesse qui ton message pour lui un message peut-être de vœux un message de courage de travail engagement que la prend dans la société comme jeune garçon même j'ai avec moi désir ça que me cadeau équipe mes sacs nouvelles là fier de où et content que on est équipe là et sorti de et Andy de mettre affaire qui c'est Gusty Saint-Gier passer de toute staff la net et content pour collaborer ensemble avec vous et nous faire bouger dans équipe là parce que qui dit Désir Venesse dit 20,000 hommes et qui toujours prêt pour faire travail et prêt pour faire du sacrifice et n'a dit ça. Je ne vais pas vous étoyer sur aucun monde, aucun confrère, consoeur, mais moi, avec Désir Venesse, c'est des jeunes garçons. Micro, nous, hein. J'aime qu'on a des mounes qui disent, oh, machin, micro. Ne pas avoir le micro, nous-mêmes. Ne pas avoir le micro, nous, parce que nous croyons dans notre travail, dans notre goumen, et nous croyons dans notre Haïti. Désir encore, tout staff, mes sacs nouvelles, là. Sorti des PDG, jusqu'à dernier personnel, équipe, là. Nous, mettez-nous bien bas pour nous souhaiter une bonne fête, frère. Et, boue gâteau, j'aime nous dire, là. Et manger champagne dans l'inverse, c'est à boire champagne, manger gâteau, et fêter dans jour ça, et maman à papa qui te bo, qui peut-être te croise ensemble, qui te capable de mettre gros garçon sans route ça. Mon cher, société a pris pile note de ou, diaspora prend pile note de ou, et pays a pris note de ou, parce que nous connaissons notre Haïti, que moi-même avoir comme jeune garçon, et nous connaissons notre Haïti, a peut-être même l'en capable en juin, mais petit, nous famille nous, avoir joué notre Haïti. Mon frère Kembe là, rete 20 garçon coréen, mais pas oublier de laisser nous ça, mon frère. Et ce mot, papa, c'est comment là qui mon frère? La situation de nouvelle est bien forme. Moi, je vous remercie parce que vous faites partie du premier monde qui pote la joie et dans le visage nous, dans le nous, dans le nom nous, par rapport à la journée ça, qui sont une journée spéciale pour nous et qui marque date naissance nous. Moi, je vous remercie pour ensemble et des mots et du réconfort, ensemble des souhaits ça, que vous portez pour nous dans la vie. Nous aimerions remercier toute équipe là. On dit que mon fier, parce que nous avons une grande famille, qui c'est famille MSN, mes sacs nouvelles là, qui permettent que fête à la fête d'une manière très spéciale. Merci un peu, monsieur. Je compte un peu, je ne regrette même pas dans ce second. Ok, bah, là, moi déjà. Je ne regrette même pas dans ce second que je fais partie et grande famille ici là. Et nous continuons à faire une fierté. Et merci avec ce personnel qui pipiti a, il est sous grand yo qui pratiquement te pensé avec Junior. Comme ou te dit déjà, Blaise Person, et nous entraînons nos batailles pour toujours accompagner la population. Faites par fête, nous de là, pour nous venir servir, venir informer sur ça qui a décidé. Non, yo, parce qu'en plus, les décisions que prennent dans nous, ils pas coûté satisfaction pour yo. Et nous-mêmes, nous venons décortiquer, nous venons analyser avec eux. Nous disons merci avec tout le monde qui pral gagner pendant toute journée et pendant tout reste mois, qui pral souhaiter nous et bon anniversaire, qui pral laisser d'autres partager avec nous des conseils pour nous continuer à être nous content recevoir tout ce qui a venu et ce qui a continué à venir, Blaise Person. Antoine, 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 Antoine,
Yon deuxième contingent, force multinationale a dû arriver dans le pays d'Haïti, dans la semaine Cap Vinio, d'après le Premier ministre Gary Conille, qui part en dedans pays qui continue à réfléchir, à chercher des moyens dans les communautés internationales pour venir aider, résoudre avec ensemble divers problèmes que le pays a fait face, insécurité généralisée que nous tous connaissons. En pile monde a posé cette question, est-ce que le Premier ministre Gary Conille a pris chance ou bien a venu résoudre le problème ça tout bon vrai, parce que tout côté le palais, limité insécurité à dans la première place, Blaise Peterson. Dit fait, en dedans conseil présidentiel ak la primatie, parce que M. Dam, qui est dans le conseil présidentiel la transition, déclaré Blaise Peterson, c'est à travers WhatsApp, yo konnen que Premier ministre Gary Conille qui te pays ya. Qui ça sa avle dit, pour moun qui attendait, qui a gardé yo, moi même si m'ta comprenne, m'a dit que Gary Conille, depuis l'elfin prend, investiture, depuis l'elfin installé, c'est Gary Conille qui chef des chefs pays ya. Son deuxième, Ariel Henry. Bah, connaissez le bras le faire positif ou négatif, mais li prend tout bagarre. C'est ça cause que si vous nous, dans le temps, monsieur Damien, dans le conseil présidentiel, transition, l'oublier qui côté Gary Conille est sorti, et en pile monde a posé cette question, pour qui ça, quelques jours après installation, après mise en fonction, Gary Conille et gouvernement, li monté Washington DC, pour pratiquement ça la négocier. Li rencontré avec divers monde pendant l'année là, qui enveloppe l'argent, 40 millions de dollars, banque interaméricaine, pour mettre qui pour venir là, en pile monde a posé cette question, est-ce que monsieur a bien accompagné, OK, Gary Conille pour venir résoudre problème qui gagne dans le pays. Go discussion continue en fait à poser question qui Jean Bandi yo fait à l'aise comme ça en dans pays pendant monsieur Damio en premier contingent qui dans force ou bien dans mission multinationale là que Kenya cap diriger mission qui déjà gagne 200 épique soldats qui ont dans pays. Mon premier élément information c'était 400 mais rivé Gary Conille l'autre bois bon précision que nous plusieurs médias internationaux et venir avec Blaise Peterson pour dire ces 200 officiers qui ont dans pays qui pratiquement venu pour venir faire face avec insécurité à pendant pas accompagner la police pour résoudre crise là. Mon pas se poser question qui ça permet officier là et puis commissariat continue à craser. L'armée continue à prendre dans le des bouquets. Bandits continue à vaquer avec activité sans crainte, sans paix. Bandits fait parade. Bandits mette musique dehors pour dire non, yo pas fait bac, c'est sous armes yo a campé ou yo mouri. Post péage dans divers endroits, dans région métropolitaine non, sur route nationale numéro 1. Bandits toujours été tenu face et a touché l'argent dans mes populations. Ça permet en plus l'amour. C'est psych, il a posé cette question, est-ce que pour problème dans les bras résoudre tout bon vrai? Est-ce que mission multinationale a bras résoudre problème non? Est-ce que groupe sécurité qui à travers l'ONU rive comprendre ça qui passe dans pays? Est-ce que yo met accent sur lui? Parce que c'était eux-mêmes à travers ça qui était pour eux avec document 2699 là, ils ont décidé pour te gagner une mission multinationale qui était lui en train dans pays. Ils fait temps passé, vini ou jusqu'à présent, moun yo poko wè clair. Moun yo poko konnen est-ce que sécurité a tenir dans pays avec parce que diverses villes provinciaux moun continue à courir, moun continue à mourir en bas coup de zam, bandi sans foi ni loi. Ensemble raconte ça, est-ce qu'il a porté fuite? Tant que j'ont dit Blaise Peterson, monsieur Kenya yo campé en parade. Est-ce que c'est parade militaire? Est-ce que c'est parade policière? Est-ce que c'est moi c'est wall police circulation que monsieur pratiquement vient de là? Un pile monde a posé cette question. Est-ce que c'est circulation que vous voyez officier Kenya vient faire? Parce que c'est vrai, n'a dit monsieur besoin entendre pour prendre contrôle territoire pour tourner ensemble des actions, mais nous très sceptiques. Le Premier ministre Gary Conille fait qu'on est c'est pas officier Kenya yo qui pral gagner pour mener opération. Mais c'est plutôt la police avec l'armée qui pral mener opération yo. Et monsieur dame qui fait partie mission multinationale à travers Kenya yo, il a gagné tout simplement pour prendre contrôle après la police s'est balayée pour établir quartier général pour établir base yo. Véritable travail là, nous vivons comprendre c'est la police qui va rien pour faire. Est-ce que il a privé tout bon vrai permettre que Normil Rameau ait assez matériel adéquat pour faire travail ici là parce que ou est-ce bagage qui a déchiré et sur tout réseau à Blaise Peterson. Mon ne pas suspendre questionner la en gauche qui tourne la en droite qui a mangé ouais, vente des boutonnets dans l'ambassade américaine, dans toute dernière manifestation. Si moun ki pipiti a, songe la on gauche là, qui te tout le temps a demandé avec population pour y al manifester, pour y al boule caoutchouc, pour y al lancer bouteille, pour y al lancer roche, pour y al craser, pour y al briser. Jodian, sans pas honte, la on gauche là, agita dans l'ambassade américaine. Je dis, on va parler de la on gauche qui débarque de Jesse sur la croix. Sur y a un petit monde, Blaise Peterson. Y a un qui est-ce qui réclame de gauche en deux pays? Qui dit c'est le charismatique? Qui est-ce là?
Moïse Jean-Charles, nègre ministre de l'agriculture. Il y aurait les bombardiers. Comment on gère le bombardier du Nord? Bombardier du Nord. Oui, ma connaissance. Mais Moïse Jean-Charles, la coquin, mesdames. Bon, en tout cas, je vais venir mettre accent sur tout ça parce que. Qui t'aime tout le temps? On va d'abord tout le temps à critiquer l'Occident. Et bien, je veux dire, l'Occident, puis bon, c'est la première fois que moi, Moïse Jean-Charles, habillé fin comme ça. Parce que Moïse Jean-Charles, toujours dans la réalité, toujours senti graisse caoutchouc. Vous comprenez? Il toujours senti graisse caoutchouc parce que c'est caoutchouc la vraie mounio boulet. Parce que tout le temps, non, mais des crasses brisées, toujours un ministre en cachette dans le gouvernement. Fois ça, il y a tout le monde connaît. OK? Eh bien, cause, c'est les États-Unis d'Amérique, le Canada, la France, qui des sacs implantés dans le pays à conseil présidentiel de transition, eh bien, lui obligé, lui obéit, lui peut être by tout le monde, Moïse Akdandeyo, à participer dans la fête qui t'a préparé en prélude et date de l'indépendance États-Unis d'Amérique, ambassade, la quatrième plus grosse ambassade que les États-Unis gagnent à travers le monde. Il t'a fêté. C'est comme ça tout? Moun yo a questionné, yon ensemble de patrons médias en Haïti. Théorique pas innocent dans sa pays y a connait qui te wèl yo bien cher Albert sous comme ses pans yo habillé 40 zones 18 carats pour y a participer parce que c'est esclave yo obligé à venir mettre là parce que mettre la fêter je dis en blessé personne l'important les États-Unis d'Amérique la fêter OK nèg yo a participer dans fait et c'est même groupe nèg ça yo qui qu'on a demandé moun al boule caoutchouc chaque fois ou fra le fêter bicolore haïtien chaque date historique pour pays a nèg yo mande boule caoutchouc crasé brisé et je dis on wè nèg yo yo montré ou que yo pas haïtien c'est on ensemble traite son ensemble apatride yo y a venir mettre yo c'est américain que yo si peuple a été comme ça t'a fait ensemble on pas de rester dans pays encore parce que les fêtes drapeau pays d'Haïti 18 mai c'est nèg yo qui a demandé boule caoutchouc le 18 novembre yo même qui a demandé bloquer route le 17 octobre la mande de saline yo même qui a demandé crasé brisé. Et je dis, les États-Unis ont fait l'indépendance. Ils ont montré au clair c'est des petits Américains qui vivent là, dans le pays d'Haïti. Les personnes, il faut peuple là lui-même assumer responsabilité qui permet qu'ils prennent l'autre indépendance. En bas, tout le monde qui a bafoué pour faire l'argent, pour prendre le pouvoir de la situation. Désolé, je ne vais pas mentir et je ne vais pas mentir. Moi-même, je pas décidé de venir faire un étalage et de parler là sur Jean-Charles Moïse. Je ne vais pas prendre un service ça. D'ailleurs, je ne vais pas prendre 6 mois de service ça. Et m'gon les pré-fanatiques sur réseau, hein, dans le pays d'Haïti qu'on a diaspora, m'a pas le grand ni service, que, pour m'da, comme si tellement que bagay paye pour m'ba aller là, pour m'da pas le grand Moïse Jean-Charles, comme si, pour m'da offrir, on partit dans l'émission à parler de lui. Honnêtement, pas d'apprendre ni service ça. Vous comprenez? Mais m'a seulement dit que, Timoy, Jean-Charles Moïse sont capables de dire que lié, et ouais, bluff, ouais, tout autre va by bluff, bon, les gars privés, ou pas qu'à by bluff encore. Moment bluff, moi j'ai chargé la fini. Moment bluff, monsieur a fini. Qui donc, les arrivés pour te voir en bas, Jean-Charles Moïse. Les arrivés pour que te voir tout bunda Jean-Charles Moïse de yo. Ça veut dire, bon monde qui tellement été à ta, même gère toujours, gère l'autre leader là, gère l'autre monde qui est le leader de gauche, leader de droite, à la fin, yo droite et gauche dans le pays, comme leader. Et bien, avant longtemps là, n'a pas commencé ouais tout le monde d'ailleurs dehors. N'a pas commencé qui est sur yé. Parce que je dis que classe politique traditionnelle ça qui gagne 30 plus que 30 l'année mais 38 l'année depuis après départ Jean-Claude Duvalier et bien régime duvalieriste non et bien nous prenons dans un ensemble de traite, nous prenons dans un ensemble de conseils, un ensemble de apatrides, un ensemble de faux nationalistes, un ensemble de faux patriotes. Vous comprenez? Yo allé, yo tourné, yo allé, yo tourné, yo allé, yo retourné veut dire que chaque jour qui passait, peuple haïtien a découvert yo et après qui est yo yé. Il a porté un discours de gauche dans la presse, dans la conférence de presse, yo, dans la manifestation et dans la chambre séparée, dans la chambre fait noir, ou dit monsieur dans assoué, il a porté un discours de droite. Il a regardé mobiliser militants dans derrière yo. Pour militants à le crasser, à le briser, alors que les ambassadeurs et les ou au visa, les ou ensemble de avantages, ou même quitter des aides, ou cap manifester, cap crasser, briser, cap crasser, machine, si mal et malaise qui semble dans sa ma voix, cap crasser, piller, business, si mal et malaise qui redit après 4-5 l'année, qui prend gros compte la banque, et mais pour mettre camper après ça, c'est lui-même à l'attaquer, hein, mais je dis, hein, d'ap essayer de prendre bonne folie de ça, yo, bonne leader, type, et bout de ma mite, ça, yo, bonne coquin, bonne madame, bonne vicieux, bonne grand goût sa yo, d'après qui est sur yé. Je dis à m'a dit clairement que
Nous est tout qui est soyé et il m'a gagné pour nous perdre qui est soyé et il m'a gagné pour nous défendre aujourd'hui hein parce que ça gagne là comme situation et pays a connait là il est tout responsable de lui. Puis gros responsable c'est l'Occident qui nous toujours reproché hein. C'est les États-Unis, c'est le Canada, c'est la France et qui utilisait un ensemble de conseils, un ensemble de traites, un ensemble de apatrides, un ensemble de folles idées capoter un discours. On dit ce qu'on rassemble alors ce qui n'est pas vrai. Mais je dis, hein, nous commençons avec qui est soyez, nous commençons avec bien d'être, oui, mais avec Jean-Charles Moïse, qui récemment, là, pas dit trop longtemps là, l'État-il pas dans les États-Unis, et là, la Russie lié, et dans Poutine lié. Je dis, en bas, quoi, Moïse, qu'a foutu, mettez-le là aussi. Comme il toujours montre que l'État là aussi, il y a un côté tel, il y a un côté tel, je dis, pas foutu, si on va faire comme ça encore. Vous comprenez que ça laisse, vous me dites, Blaise? Ça laisse, vous devrez, vous vous rêvez? Ouais, Guy Philippe. Allez, Guy Philippe, pas n'importe petit garçon petit, non? Oh, non, mon cher. Guy Philippe, t'es qu'à mourir, oui? Oh, Guy Philippe, 29 février. Dernier, comme t'as dit là, dernier jour et date dans le mois février. Hein. Et pas oublier, ça n'est les années bisexuelles, là, par contre, ça. Et chaque 4 l'année, qui est où l'année a porté, soit 66 jours. Mais, ouais, mais Guy Philippe. Guy Philippe, fête chaque 4 l'année? Mais c'est pas fait comme ça, quand t'as dit. Et c'est 29 février 2004, tu es ici d'aller. Ouais, Guy Philippe, ouais, là. Et, Jean M. Coutelin. Monsieur Gabagay, c'est comme ça. Et c'est 29 février, négotement que tu es mis, c'est là où tu es touillé et agent de Sabio. Non, 7 février, il était. 7 février. 7 février, 7 février. 7 février. Pourquoi il ne parle pas de la bien? Mais 7 février. Moi, je dis clairement, je dis à des Yvenais, c'est que, et pour que le peuple haïtien barre toute folie de l'idée de boutement amit, vous comprenez? Crasez le pays. Parce que je dis, nous ne pouvons pas faire cadeau avec la classe politique haïtienne là. Parce que y a pas innocent. Alors classe politique a pas innocent. Non ça Haïti a connu là. Et ma petite y a une. Et même yo même non. Et même yo ma petite y a une là. Parce que c'est même yo même non qui mettait Haïti dans sa lié là. C'est comme t'as dit que c'est un 6 cap joué ou 9 qui est crochu. Et l'homme était 6 là ni même et 6 là crochu même j'ai avec 9 là. Et ça fait comme si, nous n'avons pas dit si ce n'est pas bon, neuf n'est pas bon, parce que c'est même eux-mêmes. En pile, les qui qu'on a critiqué Jovenel Moïse, qui qu'on a boit, si nous n'avons pas voué Jovenel là, les n'a mouru, on a passé.